Hey yo tout le monde, c'est NewsyTuff, on se retrouve pour le 20ème épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. J'espère que vous allez tous bien, on était à la moitié de ce donjon des fantômes. Et donc du coup il va falloir que là je dépose quelques objets parce que en soi on a beaucoup trop de trucs sur nous. Déposer. Hop. On peut déposer également un anneau défense parce qu'on en a besoin pas de tout. On peut déposer une branche en voûte. Hop. La branche guide, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Localiser l'escalier, d'accord, donc c'est nul. Ok, la branche bon. Ok, qu'un peu nul. Baie fraîche, on garde. Pour la brûlure, ça peut être intéressant. Baie cerise, baie orange. Branche téléport. Ok, déposer. Voilà, comme ça on est pas mal. Et on va pouvoir déposer aussi de l'argent. De l'argent, hop, déposer. Voilà. Comme ça, on stocke un petit peu notre argent, on est pas mal. Et donc, c'est parti, on va continuer ce donjon. Voulez-vous continuer? Bien entendu. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. C'est parti pour la suite de ce donjon. Contamination. Sertir. Ah, bah, on va sertir sur NT. Et NT, on va lui enlever... on va remplacer... Je vous propose qu'on... Allez, on va enlever deuxième chance. On enlève deuxième chance parce qu'on a un peu des thugs. Ok, il l'a mis KO seul. Donc ça suffit. Oula. On va le laisser attaquer, normalement il devrait s'en sortir. Normalement il est censé pouvoir endormir les gens quand il les touche. Mais peut-être que c'est que quand il les touche au corps à corps. Et dans ce cas là ça n'aurait aucune utilité de lui avoir mis sur lui. Mais je pense que c'est quand il les touche de quelque manière que ce soit. Hop. Là on a tous nos PV qui ont été tous nos PV et PP qui ont été régènes. Donc ça c'est pas mal. Pour ça que j'aime bien les embranchements, enfin les moitiés de niveau. Parce que ça nous aide un petit peu les moitiés de donjon. Une pomme. Hop, on prend. Ah. Ah, ça c'est là ça va être à moi de jouer. Flamèche. Ok, double pied. Poum. Alors, tu les as sentis les 4 pieds? Oula, il y a des éphélites partout. Embrouilleur. Confusion à la cible. Sertir, bah on va sertir sur sur lui. Ok. On va monter là. Ok, c'est ici qu'il y a les escaliers, c'est parti. Étage suivant, étage 9. Ah, donc cette fois, on va avoir plus de 10 étages. Parce qu'on avait, pour le moment, on n'avait pas eu le cas de figure. Hop, double pied. Superbe. Il utilise scanner. Ah, objet. Alors, attends. Scanner. Ranime automatiquement son propriétaire s'il est mis KO. Mais sans remplir son estomac ou augmenter ses PP. Devient ensuite une graine vide. Ah non, c'est pas ça. Je suis bête. Localise les objets de l'étage. Augmente les PV jusqu'à la sortie du donjon. On va le sertir sur... on va le sertir sur lui. Sertir. On va mettre Psy Tigré en meneur. Ah, on peut pas changer le meneur. Ok, d'accord. Donc ça ne sert strictement à rien, finalement. Si on peut pas changer de meneur. Non, on peut pas changer de meneur. Ok. Ça ne sert strictement à rien. Je l'ai serti, mais ça ne sert strictement à rien. Je suis vraiment très content. Quand même, avec double pied, c'est ultra ouf, hein, ça. Bien trop d'éphélites dans ce truc. Anti-poison. Utiliser augmente un peu les PV. Alors, on va l'utiliser sur... sur Plouk. Comme ça, on... Somnifère. Alors, somnifère, c'est quoi? Donne parfois le statut sommeil à la cible. Sertir. Sur lui. Mais il avait quoi? Rétro sommeil et scanner. Ah non, c'était pas lui alors qu'il pouvait... Bon, on va lui sertir ça, rétro sommeil. Ça me paraît pas mal. Hop, et on passe à l'étage suivant. Étage 10, ça y est. Enfin, on a les 10 étages dans un niveau. Éblouis graine. Ok.
Ou un anneau. C'est un anneau quoi? Un anneau attaque, ramassé. Ah, le sac est plein, impossible. Échanger, on va l'échanger contre contre des branches à la, des branches un peu nulles. Bah contre une branche confusion, allez. Allez. Hop, ça on va le manger. Ok, ça c'est fait. On s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien pour le moment dans ce donjon. Hop. On l'a brûlé et il est KO. Superbe. On va descendre. Ok. Flamèche. On va faire un petit double pied. Ok, on est bien. Et là, on peut refaire flamèche. Et on est bon. On va manger la pomme. Hop. Double pied. Ok, vive attaque, on va faire. Ok. Ah, c'est quoi comme orbe? Une orbe cavité. Attends, ajoute un emplacement. Ah, utiliser. On va l'utiliser sur l'anneau d'Enti. Ah, c'est ça l'orbe cavité alors. Ok, ça permet d'ajouter une cavité aux anneaux. Bah oui, enfin, ça parle de lui-même en fait, le nom. J'aurais dû m'en douter. Ok, par là y'a rien. C'est chaud d'être 5 quand même. C'est rare ça d'être 5. Hop, flamèche. Ok, on l'a mis KO. Enfin, on l'a mis KO, on l'a brûlé plutôt. Hop, j'ai vu que quelqu'un ramassait une éphélite quelque part. Hop, là on est bon. Ok, y'a rien par là. Ok, bon, alors là c'est le moment. Double pied. Super, on lui a fait super mal, on le met KO. Ah par contre lui, il va falloir utiliser un élixir sur lui. Sur le monsieur derrière. Ah merde. Dommage, en plus ça a fait enchaînement quoi. Ok. Du coup, objet, un petit élixir. Donné à Plouk. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Objet, alors attends, c'était lequel? C'était son anneau défense, lui. Mais du coup, j'ai récupéré son anneau. Ah oui, j'ai récupéré l'anneau de Plouk, je suis bête. Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donné à Plouk, ok, bon. C'est pas ça qu'on voulait faire. Hein. Et c'était... hop, 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 hop. Élixir. Boire. Petit tigre. Voilà. C'était ça qu'on voulait faire. Ce n'était point autre chose. Hop. Yeah. Et c'est parti, épisode suivant. Épisode suivant. Étage suivant, excusez-moi. Étage suivant. Alors, là, on a un petit... On le laisse avancer, hein. On le laisse avancer tranquillement. Ok, il a paralysé. Ok, c'est bon. Alors, on passe là. Ok, le petit flamèche. On va refaire un flamèche. Oh, bon, la Mikao. Parfait. Là, on a les escaliers. On va prendre la pomme. Hop, c'est bon. Étage 12. Ah, on est sacrément profond là. J'entends des voix. Ça vient de par là. Allons-y. Si là on n'est pas au bout du donjon, c'est qu'il se passe quelque chose. Petit tigre. D'où venaient les voix? Cette voix. Plouk, c'est toi? Ah, je connais cette voix. C'est celle de Pandespiègle. Mucuscule, t'es là aussi? Au secours, s'il vous plaît, sauvez-nous. Escargome est là, aussi. Escargome, Pandespiègle, vous nous entendez? Où êtes-vous? Je ne sais pas. Il fait si sombre. Pandespiègle, Escargome, tenez bon, on va vous sortir de là. Vraiment, vous croyez? C'était quoi ça? Je suis l'envoyé des ombres ténébreuses.
Des ombres ténébreuses. Ah! Au secours! Vous avez osé fouler le sol de ce lieu interdit, vous ne repartirez pas vivant. Non! Plouk, surtout ne t'évanouis pas. Tiens bon, fais un effort. Je suis prêt à me montrer clément, mais à une seule condition. Une condition? Pandespiègle, escargôme! Les amis! Au secours, sortez-nous de là! Voilà la condition, acceptez de sacrifier leur vie. C'est une blague? Si vous êtes prêts à les sacrifier, je vous laisserai partir sans la moindre égratignure. Pour mieux suivre que l'escargot, les sacrifier! Qu'en dites-vous? Plutôt équitable comme marché, non? Tu peux te brosser! Plouk. Couis-je? Que viens-tu de dire, microbe? Je t'ai dit d'aller te brosser! Je suis marre de trouille. On ne va pas les abandonner, et puis quoi encore? Je suis vraiment marre de trouille. Pan d'espiègle, l'escargôme, ce sont nos amis. Oh non, je sens que je vais encore m'évanouir. Plouk. Plouk. Si après ça, on n'est pas pote avec eux. Petit effronté. Je vais te faire regretter ton impudence. Nous sommes encerclés. Les amis, je suis désolé. Je vous ai entraîné là-dedans avec mes bêtises. Tu rigoles, on est à fond derrière toi. On aurait fait pareil de toute façon. Tu dis exactement ce que nous pensions tous. Je vais prendre mon courage à deux mains, à deux antennes et me battre. Dans ce cas, dites adieu à la vie. Je suis Giratina. Vos âmes sont miennes. Ouah! Je suis l'envoyé des ombres ténébreuses. Mais on est obligé de perdre contre Giratina, on peut pas gagner. Putain, le mec s'est réveillé quoi. D'accord, il souffrira plus d'altération de statut. Ok, c'est pas oufissime ça. Mais dites-moi. J'étais pas assez près. C'est ça. Ok, objet. Oh, on a mis KO. Oh, on a mis KO Giratina. Ouah, on a mis KO Giratina. Easy. On a vraiment des thugs. T'en as vraiment mis KO Giratina? T'en as des thugs? Bon bah voilà. Easy! Bah easy ce combat contre Giratina, j'ai envie de vous dire. Waouh! Waouh, trop bien! On a vraiment réussi à vaincre Giratina? On les a eu! Mais on l'a pas eu, c'est pas possible, on lui a enlevé, il avait 250 PV quoi, c'est chaud. Ah! Nous avons gagné! Alors s'il te plaît, rends-nous Pandespiègle et Escargôme! Je m'y refuse! Personne ne peut repartir vivant d'ici. Blablabla, bla, ton histoire là, comme quoi, personne ne peut repartir d'ici vivant, ce serait pas un peu des cracks? Non, faut pas que je fasse cette voix là, je la réserve à quelqu'un d'autre. Avant la bataille, tu t'es prêt à nous laisser partir en échange des garçons. Si on avait accepté ton marché, on aurait pu repartir sain et sauf, pas vrai? Donc ça ne colle pas. Maintenant que tu le dis, mais on s'en fiche. Je suis l'envoyé des ombres ténébreuses, quoi.
Vous n'avez aucune chance de repartir vivant. Oh, mais ça suffit à la fin, tu radotes. Mais arrêtez de m'embêter. Vous devez rester ici, point final, c'est comme ça. Ça suffit, Nucleos. Finissir. Je crois que tu peux arrêter, Nucleos, hein? Ah, c'est pas Giratina? Ah bon, du coup j'arrête? Oui. Merci, tu as vraiment bien travaillé. Bouh, sniff. Ouais, je me suis appliqué. J'ai vraiment fait de mon mieux, vraiment. C'est qui ce petit? C'est vrai, Nucleos, tu t'es vraiment appliqué. Nous t'en sommes très reconnaissants, ne pleure pas. Bouh, sniff. Quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe, ce serait sympa. Le Giratina que vous avez combattu n'existe pas. C'était une illusion créée par ce brave petit Nucleos. Sérieux? À ce sujet, nous sommes vraiment désolés. Toutes ces histoires d'envoyer des ombres ténébreuses et les menaces, tout ça c'était du vent, on essayait juste de vous faire peur. Quoi? Ce n'était pas vrai! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous expliquer. Nous autres funéciens, nous parcourons le monde en tâchant d'effrayer les Pokémon. En effet, nous nourrissons de la peur et de la surprise des gens. C'est notre source d'énergie. Vous vous nourrissez de la peur et de la surprise? Quand on arrive à faire sursauter quelqu'un, ça nous donne un sacré coup de fouet. Bouh! Ah! Vous avez vu? Et grâce à la peur de Mucuscule, ça brûle. C'est pour ça qu'on essaie de faire peur aux gens. Par contre, on finit toujours par se faire attraper et tout le monde est très fâché. C'est un peu normal, vous attendiez à quoi? C'est pour ça qu'on ne peut jamais rester au même endroit. Nous passons notre vie sur les routes aérées. Et comme on utilise toujours les mêmes ficelles, au bout d'un moment, ça s'enlise. On n'arrivait même plus à faire peur à qui que ce soit. Mais heureusement, nous avons rencontré Nucleos. Il a écouté notre histoire et il a eu pitié de nous. Il a décidé de nous aider. Avec ses pouvoirs, il peut créer des visions et des illusions de Pokémon terrifiants. Et du coup, on arrive vraiment à traumatiser tout le monde. Oh oui, il n'a pas son pareil pour épouvanter les gens. Avec lui, à tous les coups, on gagne. Et c'est le festival de l'horreur, ouais. Dites donc, vous parlez de terroriser les gens là, ça n'a rien de drôle. Vous savez que le shérif du village a dû ouvrir une enquête? Vous avez poussé le bouchon un peu loin. Si les habitants découvrent le poteau rose, ils vont vous chasser à coups de fourche. Justement, je sais bien qu'on est mal placé pour vous demander un service, mais on est vraiment désolé. Et on se demande si peut-être, est-ce que vous pourriez garder tout ça pour vous? Hein? Si nous sommes chassés d'ici, nous allons devoir retourner sur les routes. Promis, on n'embêtera plus les villageois, s'il vous plaît. Ne parlez pas de tout ça aux habitants du village. Bon, d'accord. Quoi? Attends un peu, Plouk, tu es sûr de ce que tu dis? Mais oui, c'est bon, je leur pardonne. Ils ne sont pas méchants, ils ne pensaient pas à mal. Vous, les funessires, vous vous nourrissez de la peur et de la surprise des gens, c'est bien ça? Vous ne pouvez pas continuer à terroriser les gens comme ça. Par contre, vous pouvez leur jouer des tours, pour les surprendre. Mais rien de méchant. Et si vous jouez un tour à quelqu'un, rendez-lui un service après, pour vous excuser. Sans vous faire attraper, bien sûr. Eh, décide pas toute seule. Les autres, ils ont peut-être leur mot à dire aussi. Je suis d'accord avec Plouk, mais il y a une chose qui pêche. Il faut arriver à définir ce qui est un tour pas trop méchant, ce n'est pas si facile. Par contre, l'idée de rendre service aux gens sans qu'ils le remarquent, c'est bien. Donc en gros, je valide. Super, petit tigri! Moi aussi, j'aime bien cette idée. Enfin, je crois. C'est un peu biscornu, mais ça peut marcher. Oui, Mucuscule, merci! Et toi, Enti, t'en penses quoi? Tu crois qu'il faut pardonner les funessires comme Plouk l'a dit? On a bien compris qu'il n'était pas méchant au fond. Et puis, il regrette donc, ma foi, on peut bien passer l'éponge. Oh, Enti! C'est pas faux. Si Plouk veut bien passer l'éponge, je suis le mouvement. Après tout, c'est elle qui a eu le plus peur dans l'histoire. Vivaldin! T'es pas obligé de retourner le couteau dans la plaie, hein? Ben, c'est décidé. Nous ne dirons à personne que vous êtes là. Ouah, merci! Merci du fond du cœur! Et n'oubliez pas de rendre service aux gens aussi. Sniff, oui, on va faire ça. On rendra service aux gens sans que personne ne s'en rende compte. Et terroriser les gens pour de bon, c'est fini, on est bien d'accord. Monsieur Canartichot s'en est tiré sans bobo, mais kidnapper les gens, ce n'est pas bien. D'ailleurs, en parlant de kidnapping... Ah, où sont Pandespiègle et Escargôme? Ah, oui. Nucleos, tu veux bien? Oui.
Ça va, ils descendent tout doucement. Les amis, on y a vu, t'es mort de peur. Je suis contente de vous revoir. La journée était suffisamment mouvementée, il est temps de rentrer chez nous. Et c'est ainsi que prit fin l'épreuve de courage. Chacun rentra chez soi, et faisant bien attention à ne pas se faire attraper. Malheureusement, pour Plouk et Enti... Bande de vauriens! À quoi vous jouez à dégarpir en pleine nuit? Et sans prévenir personne en plus! Allons, c'est pas bien grave. Les petits sont sains et saufs, c'est le principal. Sûrement pas! Vous êtes bien trop mou avec ces petits, monsieur Pifeuille. Il faut leur passer un bon savon pour leur passer l'envie de recommencer. Un peu de nerf! Pépé, pardon. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement à cause de toute cette excitation. Mais là, je suis lessivé. Donc je vais aller me coucher, hein. À demain. Hé, hey, Plouk, je n'ai pas fini de te faire la leçon, tu m'écoutes? Ah, c'est bien pratique de s'endormir comme ça. Dans ce cas, Enti, c'est toi qui vas tout prendre. Quoi? Tu vas voir tes oreilles. Ah. Ah ça, pour faire des bêtises, il y a du monde. Ah, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir des galopins pareils? Pauvre de moi. La nuit fut bien longue pour ce pauvre Enti, qui dut encaisser seul toutes les réprimandes de Megapagos. Réprimandes qui se prolongèrent tard dans la nuit, jusqu'au petit matin. Vous se garder la partie. Eh ben écoutez les gens, on va se quitter là pour cet épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. J'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et on se retrouve demain, 13h30, pour la suite de Pokémon Méga Donjon Mystère. Allez, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.